this morning. I was just a drop. A single drop. And soon became a river. In this river, hope was born. From this hope rose a raging flood, a tidal wave of change. And if anyone stands against that tide, tonight we will become a revolution. Et bonjour à tous, c'est Jim. Ouais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed Unity, motherfucker. Et on progresse dans l'aventure comme d'habitude. On est juste devant le point, on attaque tout de suite. Alors j'ai la patate, pourquoi? Plus que d'habitude. Parce qu'il est pas 6h du match, je rentre tout juste du boulot. Et bref, je ferme ma gueule et on est parti. Alors pour rappel quand même, dans le dernier épisode, on avait flingué le corbier du club Dorothée, aka Lafrenière, hein, le commanditaire de l'assassinat de la Serre. On avait pas mal galéré, mais bon, on avait fini en beauté, j'ai envie de dire, avant de s'échapper comme un schlagueux. Ok, si tu veux bien lancer une cinématique pour combler un petit peu les blancs. 400 nobles en armes honorés. Élise. La présence du général Lafayette. Hey, assez. Veux-tu bien cesser tes jérémiades? Tu ne fais que parler sans agir. Mais voilà un homme porteur de bonnes nouvelles. Arnaud, qu'as-tu appris de l'orfèvre? Pas besoin de parler, mec. Du poison. Quelle vermine. Germain a fabriqué cette épingle ainsi que d'autres pour un dénommé Lafrenière. En es-tu sûr? Certain. Le grand maître de la Serre le tenait en haute estime. Fort bien. Ta mission est claire, Arnaud. Trouve Monsieur Lafrenière. C'est déjà fait, monsieur. Il n'est plus un danger pour nous. Qu'est-ce que tu viens de dire, merdeux? J'ai remonté la piste jusqu'à Lafrenière. Je l'ai suivi et je l'ai tué. C'est un mais bon sang, qu'est-ce qui t'a fait? La prochaine fois que tu parcours le conseil, je ferai de toi une unique. Ce conseil admire ton zèle, mais il ne t'appartient pas de choisir tes cibles. Tu aurais dû nous rapporter ce que tu avais découvert. Pardonnez-moi, mentor. Je pensais avoir trouvé l'homme qui avait ordonné le meurtre de Monsieur de la Serre. Lorsque j'ai découvert de nouvelles preuves, suggérant qu'il s'apprêtait à lancer une attaque contre la confrérie, j'ai décidé d'agir. Penser? Suggérant? Je ne suis plus sûr des motivations de Lafrenière. Dans ses souvenirs, je l'ai vu écrire la lettre qui aurait averti Monsieur de la Serre de sa trahison. Lorsqu'il a parlé de l'attaque à venir, il visait un club du Marais et non l'une de nos bases. Quelles sont tes conclusions? Il est trop tôt pour le dire. J'aimerais enquêter davantage. Je n'aime pas ça. Ce garçon est un assassin brillant. Mais je crains qu'il ne soit aveuglé par son désir de vengeance. Confions cette mission à quelqu'un d'autre. Le temps presse! Quoique Lafrenière ait préparé, cela se produira ce soir. Cette fois, il a demandé la permission, Guillaume. Ah! Alors va, vois ce que tu peux apprendre. Mais, pas d'autre imprudence. Hmm? Oui, mentor. Putain, les mecs, j'hallucine. Eh, attends, ils sont où, là? Ils sont où, ces bâtards? Ils sont où, ces bâtards? Eh, écoutez-moi bien, bande d'enculés. Moi, je m'appelle Arnaud, là. AUD, bon, il y a eu un problème dans le script, ils ont mis un O. N'empêche, toi, là, surtout toi, là, j'ai entendu ce que t'as dit tout à l'heure. Allez bien tous vous faire enculer, et si j'en avais la possibilité, croyez-moi bien que ma bite, elle... Bon, elle peut pas finir dans la bouche d'Élise, mais elle aurait fini dans la vôtre, bande de cons, va. Putain, j'hallucine. Bon, allez, on progresse. Putain, ils m'ont vénère. Ils m'ont vénère. Ils m'ont vénère. Je sais pas du tout par où sortir. Ah, c'est par là-bas. Ou pas, on peut s'accrocher.
Putain, on est obligé de descendre comme ça. Alors, c'est bien, je peux m'accrocher partout dans le monde. Laisse tomber, même aux cheveux des meufs. Par contre, le lus chez les assassins, y a pas moyen, quoi. Oh, ferme ta gueule, toi. Lui, je l'aime pas, lui. Il m'a rien fait, mais je l'aime pas. À chaque fois que je passe devant, je l'insulte. Ça me fait taper des barres. Je sais plus dans quel film comme ça, il y avait un gars qui insultait un autre type. Bref, oh, fuck. J'ai besoin d'action, là. J'ai besoin de sang. Un mot, mon frère. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe, Bernardo? Tu dis plus bonjour comme avant? Bon, je te souhaite une bonne journée, passe le bonjour à la famille, hein, comme d'habitude. Alors, on doit aller par où? On doit aller par où? Oh putain, c'est le bordel, ce truc. C'est le bordel. Ah, surtout que je me souviens pas du tout, les mecs m'ont dit d'aller. Attends, mais c'est quoi tous ces spots, là? Ah oui, il faut que j'aille là. Putain, pourtant, il était marqué en face de moi. Ok. Et à côté, j'ai quoi à proximité, les gars? Point nomade? Non, bah les couilles. Ok, si on veut bien m'afficher les téléporteurs. Ou alors j'ai de la merde dans les yeux. Je pense que c'est surtout ça. Parce que là, j'ai fait tous les modes. Non mais... Parce que nous, on est où là? Nous, on est où sur la carte? On est où, bordel de merde? Je sais pas. Je sais pas où on est. Voilà, on va dire quoi. Ah, je suis à 250 mètres, je me casse le cul pour rien. Je vais y aller en barque. Bon, on va remonter par contre, c'est bon quoi. On est escaladeur professionnel, on n'est pas Florent Manodou. Attends. Oh! Je vais... Oh, peut-être... Mon... Oh! Il était un peu trop aigu, là. J'ai fait ma taspé. Bon, eh, vous savez quoi, les gars? Qu'est-ce que j'ai dit sur Florent Manodou? Malodo? J'ai qu'une envie, là. C'est quand même de voir Elise. Là, c'est plus possible. J'ai l'impression que plus ça va, déjà, plus je réfléchis plus. Je pense plus à rien. J'ai juste besoin de taper des mecs. Faut que je voie Elise, les gars. Là, ça presse. Alors, je sais pas où elle est. Mais si les mecs... Un voleur? Oh, t'as trébuché, pauvre con. Oh, le plaquage à John Alimou. À John Alimou. C'est pas pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive à bégayer? Alors. Putain, je peux pas te planter, saloperie. Mais casse-toi, toi et ton plateau. Ok, ok, on est arrivé. Ça se passe à l'étage. Bien sûr. Et quand même, le mec cherchait à escalader la surface la plus plane d'Assassin's Creed, quoi. Il n'y a pas un truc pour s'accrocher, quoi. Je vous ai dit, je pars en couille. Il faut que je voie Elise. J'en peux plus, là. Regardez, vous voyez ma manière d'escalader? Je veux beaucoup moins rapidement qu'avant. Vous savez pourquoi? Parce que mes couilles sont pleines, les gars. J'en peux plus. Ah bah oui, bah forcément. Mettons le point le plus haut. Vous avez cru que c'était le 25 décembre et que je devais jouer le Père Noël? Comment ça se passe, les copains? Oh, ma chère Elise. Voilà l'endroit. Pourquoi la Frenière s'y intéressait tant? J'ai pas eu le temps de faire ma phase. Emmenez-le là-haut, vite! On se connaît. Mon vieil ami. Tu vois du pays, n'est-ce pas? Le pire couard que je connaisse. Bon, j'imagine que un saut, c'est pas gérable, hein. Alors, attendez, qu'est-ce qu'ils me disent? Trouver la touche. Meurtre depuis une cachette. Tireur rendu furieux. Bas les couilles. Tant que les mecs me disent pas moins d'infiltration, moi je suis heureux. Ah, et par contre, il y a vraiment des mecs partout, quoi. Alors, c'est parti. Bon, pour le moment, on est plutôt discret. Ok, on en parle, les gars, du nombre de mecs qu'il y a au-dessus, là? Sérieux? Bon, vous savez quoi? À chaque fois, je suis en train de regarder le terrain comme ça pendant 3 heures, et au final, c'est toujours la même chose. De l'exécution. De l'exécution du fight. Oh, calme-toi, toi. J'hallucine. Ah, je peux vous dire, le matin, des fois, je vous exécute pas, mais aujourd'hui, j'ai la patate, hein. On va les fouiller un peu, les gars, parce que j'ai besoin de fric.
Voilà, parce que à défaut de me taper Lise, j'économise pour m'acheter une poupée gonflable. Les poupées gonflables japonaises, là, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Bah là, pour le coup, à Elise. Bon, la touche, est-ce que je crée le scandale et j'anéantis tout le monde et ensuite tu me déclares où tu te trouves ou... Ah, écoutez, il y a une fenêtre là-bas. On va y aller. On va y aller, on va rentrer. Dans le feutré, les gars, toujours. Alors là, je m'impressionne. Ah ouais, d'accord, j'ai plus de... Voilà. Je me souviens à l'époque où on se cachait comme ça derrière. Qu'est-ce qu'on en a plus rien à foutre aujourd'hui? Ok, il y a trois mecs en face. J'ai envie de dire... Je crée le chaos. Je crée le chaos. Bonjour. C'est Arnaud. Bah j'ai le seum, ouais, j'ai le seum. En plus, on a plus de vie qu'avant maintenant. On peut encore plus générer de conflits. Ouais, par contre, maintenant, je me suis... Oh, je l'ai... Hey, mais ça, c'est abusé, je l'ai bloqué. PD, tiens dans les couilles. Alors, je cherche... Oh! Oh, il est là, là. C'est à l'extérieur ou à l'intérieur? Moi, je fonce. Alors, attendez, je regarde juste s'il y a un passage par l'extérieur. Toutes les fenêtres sont... Non, 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 faut que je passe par là. Ah bah il y a une porte là. Et puis on fonce, hein, on perd pas de temps comme d'hab, rien à foutre. Ah merde, il y a du people. Ah merde, c'est vrai que j'ai plus la transformation, j'ai plus autre chose maintenant. J'ai été repéré. Non mais quoi? La cible m'a repéré, qu'est-ce que j'en ai à foutre? On m'a pas dit de me cacher. On m'a juste dit de le trouver. Ah, filer. Ah ouais, d'accord. Si je fais pas attention. Oh, putain, ça me rappelle un jeu, je me souviens plus du nom, mais c'était... Je crois que c'est dans Mass Effect qu'on fait ça à un moment. Et je vous dis peut-être de la merde, les copains. Voilà. Voilà, dans l'oreille. Racontera un peu moins de conneries maintenant. À ce que les politiciens soient partis avant de commencer. Allons-nous enfin apprendre à quoi riment nos récentes activités? Oui, tout deviendra clair. Ça ne me plaît pas. Notre plan est encore trop fragile. Et n'oublions pas que Lafrenière est toujours aussi impatient de nous envoyer au bûcher. Vous n'avez pas appris la nouvelle? Quelle nouvelle? Lafrenière est mort il y a quelques heures. Les assassins. Voilà qui semble bien commode. Ah, c'est l'avantage avec les assassins. Parlez-leur d'un complot templier, et ils chercheront pas à en savoir plus. Ils tueront sans poser de questions, eux. Ils sont si prévisibles. Venez, allons chercher le capitaine avant de commencer. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que si... pardon, je nique ces mecs, je me fais repérer. Par le PD, là. On se met là, on se met. Pour être sûr. Dis-moi ce que je veux savoir. Tu vas devoir me répondre. Eh mec, tu passes en dessous de moi, je te chie sur le chapeau. Je te le dis direct. Ok, on va y aller, mais j'ai peur qu'ils reviennent. Ah, il a identifié les cadavres, ce bâtard. Devoir me répondre.
Excusez-moi, je suis concentré. C'est terminé. Presque. Écoute-moi bien. Je peux continuer comme ça toute la journée. Mais toi, tu ne tiendras pas plus d'une heure, peut-être deux. Moins encore si je te travaille à la lame. Alors autant écourter ton supplice. Dis-moi où il se trouve, et je mets fin à tout ça. Plaît-il ? Tu vois quand tu veux. Rouille, nettoyez-moi tout ça, c'est l'heure. J'arrive tout de suite. Vous avez entendu la fouine, les gars. Fouine baby. Ah, attendez, je prends pas de risque parce que j'ai peur qu'il vienne à la fenêtre. Tim m'aura fiché jusqu'au bout, ce connard. Tout à fait. Je suis à côté. Trouver un lieu permettant d'espionner la réunion. Oh, vous faites pas chier, les gars, surtout. Vous faites pas chier du tout. C'est bon, je l'espionne, là. Bon, j'imagine que là, ce souterrain, il a pas été mis là pour rien. Allez, ah, d'accord. Attends. Ah okay. Oh putain, c'est deux. Je crois que j'ai débloqué le verrouillage, mais je suis pas sûr. Le grand œuvre exige de la méthode, ma chère. Si Paris doit souffrir plus longtemps pour que renaisse le monde, qu'il en soit ainsi. Pourquoi ne pas le tuer et en finir une fois pour toutes ? Un tueur, une lame, un couloir sombre ? Ce serait facile. Nous voulons un condamné, capitaine, pas un martyr. Un peu de patience. Avec mes respects, grand maître, la patience est louable. Mais plus nous attendons, plus nous risquons d'être découverts. Les assassins ont déjà trouvé Siver et le roi des Thunes. Siver et le roi ont tenu leur rôle. Leur élimination, bien qu'inopportune, n'est pas un obstacle. Et les assassins ont prouvé leur utilité quand on sait les guider. Et la fille de Delacerre ? Elle pourrait se révéler dangereuse si elle parvenait à rallier la vieille garde. Ce problème n'en sera bientôt plus un. Et comment ? Mademoiselle de la Serre se rendra bientôt à l'hôtel voisin afin de discuter avec Monsieur Lafrenière. Hélas, Monsieur Lafrenière n'a plus grand-chose à lui dire. Mais quoi ? Élise. Oh ! Habile, grand maître. Trouver un lieu permettant... Ok, ça va chier là, je suis vénère. Oh, mais ils sont sérieux de toucher à ma petite Élise ? Fuir le secteur. Ah bah oui, il y a des mecs qui pop, on sait pas d'où. Putain, alors là, les gars, je vais rentrer dans de la violence absolue. Élise, vite, Élise. Putain, bloqué par un pot de fleurs. Oh putain, Arnaud, tu perds la boule. Putain. Tu crois que j'ai que ça à foutre? Il y a Élise, là. Mais tue-le. Venez ici. La petite Élise. Élise, tu es Élise. Il y en a un qui me dit par où je sors que je fais tout péter là, les gars. Bon, on se pose deux secondes. Je sais même pas. Espion. Mais un espion, ça se cache. Mais moi, je me cache pas. Je vis en face à face. Bonjour. Bonjour, je cherche la sortie. Est-ce que vous pouvez me l'indiquer, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Voilà. Oh, il est fatigué, mon Arnaud. T'es sérieux, Arnaud?
Alors lui, il me repère de dos, on sait pas comment. Allez, allez, allez. La petite Élise, pas question que quelqu'un l'assassine. Si, je vous assure que si quelqu'un la bute, et je pense qu'il y a pas mal d'abonnés qui sont comme moi, Assassin's Creed, je serais vénère. L'histoire, elle est niquée. Franchement, l'histoire est niquée. La petite Élise. Mon Arnaud, t'es sérieux? Tu fais quoi, là? Tu fais le maçon? Qu'est-ce qui se passe? T'étudies les murs? J'hallucine. Oui, bah, c'était pas obligatoire, ça. Bon, on fait quoi, les copains, là? La petite Élise, on va où, là? Putain, bon, je suis partagé entre l'excitation de voir ma petite Élise et l'énervement. L'énervement. Je vais chercher Élise. Élise, ma belle promise, celle qu'on m'a enlevé. J'avais prévu de la niquer dans l'épisode 1, mais l'histoire a mal tourné. Tu es les Crémanéiles. Ah putain, je suis sérieux moi aussi. Je bégaye, je suis sous le coup de l'émotion. Voilà, alors les gars, si vous avez besoin de conseils en tuiles et en toit, appelez-moi, il n'y a pas de souci. Je connais tous les modèles de France. 60 mètres avant de rencontrer la belle Élise. Oh putain. Et je m'accroche avec mon sexe, tellement je suis excité. Oh. Eh. Cirque Zavata ou comment ça se passe? Vas-y, j'arrête. Vas-y. Élise. Je n'ai que ce mot à la bouche. Ça fait des mois et des mois que j'ai arrêté de me nourrir. J'ai fait de la prison. J'ai tué tout ce que je devais tuer. Embuscade des Templiers. Bon, moi, je rentre par la porte principale, à la nique sa mère. Alors, attendez. Élise est sur le point de tomber dans une embuscade des Templiers. Trouvez-la et avertissez-la. Oh, eh ben, écoutez, les amis, j'espère que ce let's play vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire si c'est le cas, voire à vous abonner si vous êtes chaud. Et je vous dis tous à très bientôt pour un épisode qui s'annonce. Oh putain, motherfuck. Vous voyez là? Vous me voyez là? Dans quelques temps, vous me verrez tout nu avec la belle Élise. J'espère, parce que s'il la bute, ça va partir en couille. Allez, ciao tout le monde.